Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue sur le nouvel épisode du Decades, et bienvenue surtout en 1980. Ça, les 80s sont lancés grâce à Eva qui est devenue enfant. Dans l'épisode dernier, je peux enfin vous lire les règles de cette décennie des années 80, une des meilleures décennies. On peut utiliser l'interaction crac-crac sans restriction, et ça, mes enfants, c'est le bonheur. Enfin, Hélène et Lionel seront le couple béni de ce Decades puisqu'ils vont enfin pouvoir faire crac-crac sans devoir faire une fois sur deux et sans devoir procréer sans arrêt un gamin. Ils vont donc faire crac-crac très très souvent, vous y attendrez jamais, mais ils seront très actifs, en même temps ils sont très amoureux, donc ça aide. La jeune fille est débloquée. Vous pouvez vous servir des ordinateurs un peu plus puissants, pas au-dessus de 3000 simflouz, seulement pour les jeux vidéo et pour l'écriture. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais on va voir, ça viendra. Console de jeu débloquée, la moins chère. Les murs peints sont débloqués. L'alarme incendie est débloquée. La piscine est débloquée. Pas la petite fournie avec le pack saison. Non ! La vraie piscine creusée en dur dans le jardin pour la haute saison. Ça, je pense que je la ferai quand ce sera le printemps. Ben, on est le printemps, dis donc. Ben oui, on est le printemps, premier jour du printemps. Ah bah, c'est une bonne nouvelle ça. Donc bah, quand il sera déneigé, peut-être qu'on commencera les travaux. Vous pouvez faire appel à une nourrice et ça c'est cool. C'est-à-dire que quand les parents seront de sortie ou iront au boulot, eh bien nous pourrons appeler une nounou. Vous pouvez faire appel au livreur de pizza et ça c'est encore plus cool. Et l'arroseur automatique débloqué. Je ne vous listerai pas les emplois permis pour les hommes et pour les femmes parce que ce sera trop long. Et en dernier, nous avons la discothèque débloquée. Pensez à sortir pour remuer sur le dance floor. Yeah, baby! Du coup, on va aller se bouger le petit cul, hein, vous et moi, et tous ensemble, mais surtout Hélène et Lionel, mais il faudra attendre quelques jours que ce soit le week-end pour guincher un petit peu. Bon, la petite Hélène, elle a comme qui dirait... Voilà, elle commence à se faire pipi dessus, parce qu'à mon avis, le petit bébé va pas tarder à sortir. On est tous très très impatients. Je pense que là, dans 20 minutes, on est dedans, quoi. Donc, ma belle, dors un petit peu et on se retrouve pour la mise à bas. Et voilà, le travail a commencé. Oh ouais. Pendant que Florent vient nous casser les éviers. Voilà, merci. Merci, papa. Hein? Voilà, tu nous casses tout. Lionel, tu vas aussi te réveiller. Parce que là, il va avoir une panique préparentale. Ben oui, mon petit. Ça y est, tu vas devenir papa, Lionel. Hein. Bon, il est toujours tristoun parce qu'il a perdu son papa. Mais c'est à lui de devenir papa maintenant. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien Gigi qui est là. Il a retrouvé son violon et même dans la mort, elle continue de jouer. Nous sommes bien dans la salle à manger. J'ai fait quelques petits ajustements. Pour la période des années 80, pour l'instant, je suis pas sûre si je vais rester là-dessus, donc on verra ça plus tard. Allez, ma belle! On pousse! Ah oui, je sais que ça fait mal. Ma pauvre. Lionel, il s'en fout, il s'en va. Alors, Lionel, est-ce qu'il aura un petit garçon ou une petite fille? J'ai laissé complètement faire le hasard, hein, on verra bien. Attention! Dès que j'appuie sur échappe, on saura tout. Et c'est encore une fille. Waouh, trois nénettes potentielles pour la future couronne d'héritière pour la famille de Saint-Paul. Et donc j'ai mon petit fichier de prénom et je vais donc appeler cette petite fille Laura, spéciale dédicace. Oh, c'est trop kikinou. C'est trop kikinou. En tout cas, celle-ci, elle est bien plus blanche que ses sœurs. Et sinon, je vais vous présenter aussi les changements que j'ai faits dans la maison pour ces années 80. Je préfère vous dire que c'est susceptible de changement parce que je n'ai pas eu trop le temps de trouver l'âme des fournitures et l'âme du design des années 80. J'ai fait ça un peu à l'arrache hier soir, voilà, tout ça. Donc c'est susceptible de changer. Il y a des trucs que je suis pas forcément sûre. Après, vous êtes peut-être dans les commentaires de me dire si ça vous plaît ou pas. J'ai changé l'entrée, la salle à manger, la cuisine et le salon pour l'instant. Le reste est donc à venir. Nous avons
l'entrée ici, bon, ça va, tout le monde commence à se lever, ça va être la life et tout ça, avec la petite Eva, hein, qui a été relookée, mais pour l'instant, je vais laisser ses cheveux là, parce que je la trouve trop kiki. L'entrée est maintenant, elle n'a plus de carrelage, elle a aussi son parquet, comme ailleurs dans la maison. J'ai mis un grand tapis, toujours dans les couleurs un peu de jaune, comme on avait avant, pour pas que ça choque trop. J'ai changé la couleur des portes. On avait le placard qui avait fait son apparition déjà plus tôt. On a une plante et le petit guéridon avec la lampe qui avait plus loin. Cette fois-ci, je l'ai placé ici. Et du coup, ici, j'ai mis deux fauteuils dans l'entrée. Vous voyez, c'était ici en fait. Et moi, j'ai mis un petit fauteuil. Nous allons passer à la cuistine. Cuistine, à la cuistoche. La cuisine a changé de couleur. Elle est toujours bien sûr carrelée. Toujours dans les tons un peu beige et j'ai laissé un peu les meubles orangés. Et voilà, on est un peu plus dans le moderne, mais c'est pas forcément plus joli. Mais on a changé un petit peu et j'ai mis des meubles hauts cette fois-ci. Voilà. Et regardez-moi la petite Eva avec son superbe pyjama. Bon, elle a pas très très l'air contente. Peut-être qu'à l'époque on a une petite sœur. Et ben tant pis pour elle. Là, j'ai juste changé la couleur au niveau de la gazinière et du frigo, mais on n'est pas sur les mêmes choses. On va passer ensuite sous un air de violon que nous fait notre petite mamie Gigi à la salle à manger. C'est là où je suis pas très sûre de moi, je vous cache pas. Mais est-ce qu'en fait, les années 80, c'est aussi un peu les années fluo? Et je suis tombée sur ces tapis qui étaient très fluo, donc j'ai essayé d'accorder avec les chaises et les tables qu'on avait déjà issues des années 70. Et j'ai mis des petits rideaux ben, plutôt violet et rose, que ça pète un peu. Bon, c'est pas forcément en raccord avec le style de la maison, mais je ne sais pas. Donc là, par contre, c'est sûr que je suis la moins sûre possible. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires là-dessus. Si vous kiffez ou pas la salle à manger, voilà, après je pense qu'elle va changer. Et j'ai installé le jukebox de Strangerville. Ok, j'ai débloqué la chaîne Hi-Fi, mais je crois que dans les années 80, c'était vraiment très tendance d'avoir ça. C'était ça dans les bars et compagnie, et donc j'ai voulu l'instaurer aussi. Ça va, ma Gigi? C'est la première fois que tu sors de ta tombe, ça fait plaisir de te voir. Ah oui, ça fait plaisir. En tout cas, voilà! J'ai donc changé ici. Bah pour l'instant, là, j'ai enlevé la toile parce que je vais normalement mettre de Gigi, celle de Gigi et de Florent, mais que je n'ai pas encore créée en CC. Vous m'excuserez, je suis une mauvaise youtubeuse. Parce que regardez, les autres toiles sont ici. Donc, Pierre-Nard, Joséphine, Albert, Marguerite et encore Pierre-Nard et Joséphine. Donc, c'est redondant avec mes fondateurs. Il faut bien que je mette mes héritiers. Bien sûr, Hélène sera avec Lionel et pas avec Raphaël après l'histoire qu'on a eue. Dans le salon, j'ai ouvert et mis une arche comme ailleurs. Donc, vous savez que le salon, enfin le rez-de-chaussée, on va vraiment circuler. Ce sera plus agréable. Et, ah, la petite Laura pleure pendant que la petite Esther se balade en courant. Et dans le salon, j'ai véhiculé autour de la couleur plutôt bleue avec ce grand tapis, les rideaux. De toute façon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va y aller. Ouais, c'est papa qui y va, c'est parfait. J'ai mis la petite télé cathodique, hein, comme à l'époque. Hein, voilà, ce n'est plus un CC, maintenant c'est vraiment le jeu. Vous avez vu que les murs sont beaucoup plus sobres. Pareil, je ne suis pas encore sûre de garder ça, mais je pense que ça fait quand même joli et c'est beaucoup plus reposant pour les yeux que ce qu'on avait dans les années 70. Les canapés sont somme toute assez classiques aussi, avec revêtement cuir. Bon. Voilà, j'ai pas trop trouvé d'inspiration, je vous l'ai dit. Le piano a été changé, il est blanc maintenant et son tapis est bleu. La petite cheminée aussi a été revisitée, a été repeinte un peu dans les tons gris et ça change. Et nous avons ces deux magnifiques bibliothèques qui viennent aussi avec Strangerville. Voilà, j'ai voulu donner toujours un air un peu pompeux à la maison. Dans le salon, c'est parfait pour cet endroit. Vous voyez. C'est magnifique. Est-ce que notre ami Lionel a réussi à gérer sa fille? Bah, il a l'air, hein? Regardez comme elle est contente! Oh, papa, il a pris soin de sa fillette. Mais c'est mignon! Et après, on vient pas me dire qu'il n'aime pas les enfants, hein? Voyons. Avoir un enfant, ça épuise, hein? Regardez-moi les deux, là, qui essaient de récupérer, qui font une petite sieste à l'étage, tranquillement, pendant que ça fuit. Merci, les fantômes. Je crois que Gigi a oublié de retourner dans sa tombe. Il est 10 h du matin, elle est toujours en train en train de jouer, quoi. Oh là là, je m'embrouille. C'est toujours aussi beau, hein. Moi, ça me va, hein, Gigi, hein, si tu reviens à jouer du violon la nuit.
Faudrait que tu viennes avec ton papa, avec Albert, et Albert qui jouerait du piano et toi du violon, mais ce serait parfait, quoi. Une artiste qui nous manque bien. Pendant que Dashi ré répare tout ce qui est cassé, c'est la belle Hélène qui prépare le petit déjeuner. Il faut bien, parce que là, il y en a une. Ouf, ça ne va plus, là. Puis en plus, elle se fait dans sa couche. Bah ouais, elle n'a pas beaucoup dormi, elle n'a pas mangé, elle n'a pas été au pipi. Ah non! Dis donc, toi, là! Non, 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 non! Tu me répares ça! Non, Lionel, non. Lionel, tu répares. Hein? Ta fille aussi, elle aura besoin de jouer. Donc tu me répares ça et plus vite que ça. Alors, les looks ont changé, hein, bien sûr. Vous voyez bien que Hélène s'est déjà mis un peu au look punk des années 80. Je me suis un peu éclatée avec les CC et tout. Hein, je vous le dis direct. Hein. Il y a des trucs hyper cool et tout. C'est trop bien. Ça rend trop bien. Et je suis limite déçue que les filles, elles seront pas encore adolescentes dans les années 80 parce que j'aime trop le style alors que les années 90, c'est vraiment pas le cool. Donc, c'est trop cool. Voilà, vive les années 80! Wouh! Et la petite, elle fait. Eva, elle fait ses devoirs! Oh, qu'elle est trop cute! Regardez-moi ce super look! Même Lionel, il a sorti l'eyeliner pour faire punk. Je lui ai pas encore changé la coupe de cheveux, mais ça viendra. Voilà, c'est pour ça. Là, vous n'êtes pas trop déconcertés. Hélène a mis sa tenue de base avec sa petite tresse, comme vous la connaissez, et lui aussi. Mais elle a une autre nouvelle coupe qui est archi cool. Je la trouve magnifique avec et ça lui va trop bien. Et pour les années 80, c'est juste parfait. Bref, vous allez voir ça et j'espère que ça va vous plaire aussi. Hein, comme ça, on dirait des nouvelles. Oh tiens, Lionel, il y a ton frère qui s'est pointé. Mais c'est cool, tu vas pouvoir lui faire montrer ton nouvel entre. Ah! Et Geneviève aussi. Bon, Geneviève, elle est colère. Hein. Pff, oh là 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 là. Il y a une pièce que j'ai oublié de vous montrer et que vous allez trop kiffer. Si vous êtes bien attentif, vous allez dire mais quelle pièce parce que on a quand même vu vite fait le haut et vite fait le bas. Oui, mais vous n'avez pas pensé au sous-sol. Mince, Laura, Laura, t'es en train de pleurer ma belle. Oh non, elle va y aller aussi. Oh là 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 là. Bon bah c'est lui qui y va. Il change la couche. C'était pas ça, mais c'est pas grave. Oh c'est pas grave. Allez, tu vas la nourrir au biberon, tu vas la bercer. Tu vas lui parler. Mais non, mais Lionel, Lionel, on va t'occuper de ta fille, hein. Voilà la biche. Alors, pronostic, hein. Laura, rousse ou blonde? Hein? Voilà, moi j'attends vos pronos maintenant. Je vais donc vous présenter cette nouvelle pièce dans les yeux de Lionel. Comme ça, vous verrez. Mais le sous-sol a été aménagé. Mais oui, il y a eu des travaux. Regardez. Oh là là, l'antre! L'antre du jeu d'arcade! Et oui, les années 80, c'est aussi l'arrivée des jeux vidéo! Et rien. Quoi de mieux? D'ailleurs, c'est vrai qu'avec ses yeux, il voit rien. Mais quoi de mieux que les jeux vidéo avec, eh bien, une borne d'arcade? Et la bonne borne d'arcade que l'on a dans les Sims, c'est celle-ci. Elle est énormousse, mais je me suis dit, dans la cave, ce sera parfait. Du coup, j'ai fait un petit gloubi-boulga de pas mal de choses dans cette cave. J'ai mis un vieux canapé, des trucs, tout ça, qui sont pas assortis. Mais justement, c'est ça que j'aime bien, c'est que ce soit pas assorti. Il y a une boîte à bruit, il y a une console de jeu qui est du coup la moins chère. Et voyez un peu le déco. Ça, c'est un truc que j'avais gagné avec la Florent qui avait eu avec sa carrière et tout. Et tout ça, bah, c'est des trucs que j'avais mis de côté déjà, qui font un peu bah, comme dans les caves, quoi, c'est fouillis, on amasse des trucs et tout ça. Et j'adore l'idée d'avoir mis l'arcade en sous-sol, quoi, c'est archi sympa. Et puis comme ça, voilà, c'est un peu l'antre du garçon. Bon, bah, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul dans la maison, donc. Et ils peuvent s'amuser, ils ont la télé, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette cave. Voilà, et même Eva, elle s'éclate sur la borne d'arcade. C'est trop cool! C'est trop bien! Vous imaginez la classe d'avoir ça? Oh là là. Allez, ma belle! C'est l'heure pour toi de pas aller bosser, tout simplement. Je te souhaite bon courage avec ton boulot. Tu vas tout gérer. Waouh, quelle classe! Eva, future artiste comme son papy ou sa grand-mère? Affaire à suivre. Papa!
pas Lionel. Il y a Laura qui a fait caca. Ah, et Oliver, dit l'esprit d'Oliver va être en train de disparaître. C'était le frère de Florent. Donc le tonton d'Hélène, quoi, voilà. Allez, papa. Papa, il est crevé. Papa, il s'occupe de sa petite. Voilà, les fesses sales. Puis tu vas lui parler, tu vas lui faire une grimace. Parce que tu l'aimes, ta petite. Bon, pour l'instant, elle est un peu relou. Mais bon, il y a pire. Il y a eu pire dans ma vie de Sims, de bébé Sims. Oh non, Lulene, t'as pas eu ta promotion. Mais non, mais pourquoi? Oh, la déception. Oh, elle pleure encore, Laura. T'es relou. Voilà, ça l'est, hein. Je te déclare, Laura la relou. Hein, relou, Rola, relire la relou. Waouh, compétence déjà 7 d'éducation pour Hélène. Eh ben, ça aide finalement d'avoir été maman célibataire, hein, ma jolie. Alors, les amoureux, du coup, comment ça va? Oh, tiens, Arthur est de sortie. Arthur, lui, il aura tout vécu quasiment, hein, tous les aménagements de la maison. Oh non, quand même, ça me fait rire. C'est passé 100 ans, hein, ça y est, on a passé le cap des 100 ans dans le Decades. 100 ans avec la même famille. Et à travers les âges et tout, c'est trop cool. Salut, grand tonton. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, Lionel? Sois cool avec les ancêtres de ta femme. Enfin, future femme, peut-être. Peut-être. C'est la mûre! C'est la mûre! Dites, les enfants, pourquoi vous iriez pas un peu pratiquer hein, dans le lit, comme ça? Voilà, juste un petit crac-crac des familles. Tranquillou, hein, sans contrat... Enfin, avec contraception, j'ai envie de dire. Sans obligation de pondre à nouveau. En tout cas, pour l'instant, parce que Hélène vient de se remettre de sa grossesse quand même. Au moins, laisser passer quelques petites heures. Et puis, ça ira mieux. En plus, voilà, ils sont fatigués. Pompe, eh ben écoute, arrête la télé et va faire crac-crac avec ton amoureux. Et sur ces sages paroles, nos joyeux amoureux vont enfin pouvoir faire crac-crac sans faire de gosse. Et ça, c'est cool. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Ça y est, les années 80 sont lancées. N'hésitez pas à mettre un petit com et un petit like, bien sûr, hein, s'il vous a plu. Hein. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du Decade Challenge. Les années 80, c'est trop bien et c'est que le début. Et puis voilà, des gros bisous, à très bientôt. Ciao.